Alors là, nous nous trouvons à Gabre. Gabre, c'est une petite commune d'à peine 100 habitants à côté du Mas d'Azil en Ariège. Maraîchage, donc agriculture biologique. On est labellisé, labellisé AB. On produit du plein champ. On a aussi de la culture sous abri. On travaille un peu au tracteur et principalement en traction animale. Non, je me suis dit que là, la rosée, au moins, elle était barrée et je ne me mouillerais pas le pantalon en travaillant de ce côté. Ben, pourquoi en bio ou quoi? C'est normal de travailler en bio, en fait, pas salir la terre. Et... Donc prendre soin, c'est vraiment ça l'idée, même d'améliorer son taux d'humus, de faire en sorte que la terre soit plus fertile, de prendre soin du paysage, de prendre soin des gens aussi, du coup. Les légumes bio au supermarché, franchement, ils alignent quoi. Alors, notre marchandise est écoulée principalement sur le marché du Mas d'Azil, de manière saisonnière en boutique à Foix. Et ensuite, on a aussi des paniers de légumes. On a une variété, on a compté, qui peut aller jusqu'à 45 légumes proposés. Vos carottes. Mais par exemple, dans les poivrons, on a 13 variétés différentes. Dans les tomates, on a 15 variétés différentes. Dans les betteraves, on en a 3 ou 4. Donc, ce qui fait qu'on a un choix de légumes qui est assez diversifié quand même. Nous, en tant que petite structure, on a quoi? On a 1,2 hectare de maraîchage. Oui, on est soutenu par les aides de l'Union européenne, mais c'est très ponctuel. On n'est pas soutenu au quotidien, on va dire. Tous les ans, on a un peu d'argent de l'Union européenne, mais c'est très peu. D'ailleurs, ils ne les donnent pas forcément en ce moment. On ne sait même plus trop à quoi ça correspond. L'aide au maintien bio, ça s'appelle quoi. Et ça représente, je ne sais plus quoi, 2 000 euros. Ce n'est pas des subventions qui nous font vivre, quoi. C'est un peu un plus. Ça nous permet quand même de payer nos labels. Que je pense qui serait bien, surtout par rapport à l'agriculture biologique et l'Europe, ça serait plutôt en fait de la communication. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que manger bio, ça coûte plus cher, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Parfois, notre prix est même le même qu'un légume conventionnel de grande surface. Que les gens prennent vraiment conscience que c'est important en fait de manger un produit qui a été cultivé sans produit de synthèse. Moi, quand j'entends les gens au marché qui me disent que les légumes sont bons, qu'ils arrivent à les digérer, qu'ils retrouvent des goûts qu'ils avaient autrefois, la salade, elle arrive à la manger, la grand-mère, alors que ça fait 10 ans qu'elle mange plus de... Ça, tout ça, c'est pour moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et moi, ça, c'est le plus grand, je sais pas, remerciement.